Retrouvez « J'ai testé un job qui recrute » avec les animateurs du groupe M6 et Pôle emploi. C'est bon les gars ? Ok. Allez. Allez, on y va, Vincent. Allez. Non, tu prends une couverture, on va l'emballer, s'il te plaît. Tu sais pourquoi on protège le meuble, hein ? Pour pas l'abîmer, pour pas abîmer les murs. T'es où, Vincent ? Ah, t'es là. Allez, hop, Dan, je te file un coup de main. On enchaîne, on le met sur le monte-meuble. Vous êtes combien pour un déménagement, en général, là ? Bah, lorsqu'il y a un monte-meuble, obligatoirement, il faut qu'on soit 4. Ah, mais finalement, c'est beaucoup moins physique que je pensais. Hein. Avec un monte-charge, c'est sûr que le déménagement est devenu beaucoup plus simple depuis quelques années. Comment tu t'organises pour ranger, là ? Faut avoir une expérience. Frigidaire, machine à laver, buffet, toujours les choses assez lourdes. Ouais, tout ce qui est lourd en bas. Et tout ce qui est un peu plus léger et qui s'entasse un peu plus facilement, on les fout au-dessus. De temps en temps, on se lance des petits pics entre déménageurs pour pouvoir supporter là, ce métier qui est très agréable, mais quand même assez physique. Ça passe, hein? Ah ouais, ça passe? Ça passe pas. C'est dommage. Alors, vous l'avez vu, pas besoin d'avoir un physique de déménageur pour déménager. C'est avant tout un travail d'équipe. Il faut être honnête, soigneux et surtout très organisé. Et en plus, on voit du pays, car qui charge, décharge, leur part pour Marseille. C'est génial. C'était « J'ai testé un job qui recrute » avec les animateurs du groupe M6 et Pôle emploi.